Bonjour à tous, on va travailler ici dans cette vidéo sur l'exercice d'écrase-coussin, qui est un exercice qu'on utilise souvent en post-opératoire de ligamentoplastie, pour les croisés. L'intérêt ici, ça va être utilisé en plus de l'exercice d'écrase-coussin, on va rajouter un biofeedback dynamique, donc c'est un dynamomètre que je viens placer là sous le genou du patient, entre le genou et le coussin, pour avoir en fait un retour sur la tablette de la puissance que le patient va pouvoir mettre, et donc aussi avoir un intérêt pour le patient qui va pouvoir voir la contraction de son muscle avec l'écrasement du coussin. Donc j'ai créé là sur l'application un exercice d'écrase-coussin, ce qui va permettre donc de retrouver l'exercice à chaque fois et de faire vraiment un suivi de l'évolution de la force de mon patient sur cet exercice. Donc pour cet exercice, je vais déjà lui donner une cible de poids à atteindre. Donc par exemple ici, on va choisir 5 kg. Donc je vais lui demander à chaque répétition de revenir sur ce poids de 5 kg. Je vais la faire travailler ici sur 10 répétitions, une durée de 6 secondes, alternée avec 6 secondes de repos. Donc là, tu vas lancer le programme et ensuite je vais te demander de venir avec cette jambe-là, maintenir le talon au sol et de venir écraser le coussin au maximum, d'accord? Ce qui va se passer sur l'application, c'est que tu vas voir, dès qu'il y a une contraction, la force monter. Je te demande d'aller jusqu'à 5 kg et de la maintenir 6 secondes. Tu auras 6 secondes de repos et on va le répéter comme ça 10 fois, ok? Allez, c'est parti. Là, tu contractes, tu maintiens 6 secondes et tu relâches. Ok. Continue. On est reparti, deuxième contraction. Tu contractes, tu maintiens 6 secondes, vas-y. C'est bien d'aller à 5 kg. Okay. Donc là, sur la tablette, on peut voir la progression au cours des deux premières semaines de rééducation que tu as faites, donc avec le bilan initial et le bilan final. Donc là, on voit que tu as récupéré jusqu'à 4 fois plus qu'au début. Donc on va pouvoir passer maintenant sur des exercices en charge parce que ton quadriceps a déjà récupéré une bonne contraction.